J'ai pas cheaté. Bienvenue tout le monde. Ici Dead Flash pour l'épisode 2 de la du test de la map Assassin's Creed en compagnie de The Vinac. Salut. Et nous allons continuer en allant vers les catacombes qui se trouvent ici, par ici. Tiens, donne-moi la plume toi. Tiens. Et 5 quand même. 5 plumes. Tu t'es amusé, t'as cherché là. Non, même pas en fait, c'était sur mon chemin quand je te recherchais. Donc voilà. Évitant de chercher, c'est pour ça qu'il n'était pas exactement là où il était à la fin de la vidéo. Donc d'abord, on voit les plateaux d'exécution qui sont quand même pas mal rendus. Vas-y, teste. Je vais... T'as été jugé pour haute trahison. Adieu. Baisse la tête aussi, ça va être plus réaliste. Non, la tête. Regarde le sol. Lève-toi et regarde le sol. Ouais, chouette. Bon. Voilà, un petit moment de délire. Y'a pas un coffre dans le coin. Catacombe. Voilà, la catacombe est signalée là au-dessus, avec la laine verte, et on va y aller directement. Si j'arrive à passer, je t'en prie. Oh merde. Donc voilà, voilà, réussi. Voilà, réussi aussi. Donc ici ça représente... Oh merde, ah, la map des égouts. La map des égouts. Si je me trompe pas, c'est dans le 2, je crois, celle-là. Je crois bien que oui. Tu crois bien, tu t'as même pas fini le 2 en entier. Si, le 2, je l'ai fini en entier. Ah, bon, je n'ai rien dit. J'ai joué chez mon demi-frère. Ah, ah, oui. Oui, et j'ai un demi-frère, hélas. Hélas, s'il voit cette vidéo, il va t'en vouloir. Pitié, ne commande pas. Je sais que tu es handicapé, mais... Pitié, ne regrette surtout pas. Ouais. Prems. Oui, merde. So... Donc on y va un petit peu la tête baissée parce qu'on est déjà passé par ici, nous. Ouais. Hop. Ah, courir sur un mur. Ça, c'est génial, ça m'a manqué. En ce moment, j'ai eu un petit problème avec ma Xbox, c'est que je ne peux plus jouer à Assassin's Creed. Voilà. Salle des coffres, on a bien été emmerdé ici, donc je te laisse le choix de choisir, moi je vais autre part. On en fait deux. Moi je vais là à droite si tu pourrais me laisser passer. Vas-y, merci. Par contre avec les pistons. Allez, hop, hop, hop. Les doigts dans le nez. Je te dis la dernière fois je l'avais maîtrisé celui-là. T'as géré. Un piston. Dans un des quatre leviers déjà activés, on va passer aux autres. Celui-là m'a l'air spécial. Moi qui n'est pas très bon en jump, ça va pas le faire. Je vais refaire l'autre avec les pistons qui nous poussent. Oh, ah, ah ouais, j'ai bien. Hop. Premier coup encore, bah non, deuxième, je sais pas. Oh, je sais plus. Ouf, oh, c'est con. Ouf. Dernier s'est activé. Vas-y, je vais le test. Hop. Je t'en prie. Hop. Hop, hop, non! Mais il y a que le dernier qui s'active, à mon avis c'est un autre levier qu'il faut activer. Parce que hier ça me le faisait tout le temps aussi. Attends, viens. Ah ouais, il bug ça. Peut-être fait exprès. Ah non, c'est bon, hop. Quoique ta logique n'était pas tirée par les cheveux, parce que c'est vrai qu'on avait déjà activé deux leviers et deux pistons étaient morts. Donc il nous en reste plus qu'un. Non, je suis déjà fait, Victor. Oui, je sais, j'ai quand même le droit de... Amuse-toi, oui. D'aller voir hier. Bon, j'en ai fait 3 sur 4. Tu m'autorises. Tu m'autorises. Ben oui. Hop. On va passer un bon moment. Bah non, même pas. Oh, pourquoi une fois que j'y arrive, c'est tout le temps que... J'étais en forme aujourd'hui, j'étais en forme. Non, ils sont tous activés, là. Non, on devrait là pouvoir... aussi, sur les pistons. Ah, bien, bah c'est bon, c'est ouvert. Ah oui, c'est puissant. T'es où? Je me fais attaquer par un calamar. Oh, c'est une blague. C'est une poulpe, c'est un poulpe plutôt. Allez, une poulpe calamar. Zombie. Tiens, un diamant. Ouais, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Jette-le pas dans le trou. T'inquiète pas, je sais viser. Oui, c'est ça. C'est bien ça, oui c'est ça. Donc. Oui c'est cela, oui. J'ai... Bonne nouvelle, j'ai oublié d'activer mon timer, c'est génial. Donc je vais le mettre à 10 minutes pour être sûr, c'est pas grave si l'épisode sera un peu plus court cette fois-ci. Oh, bien la porte en acier.
Pourquoi bien ça, ça, ça. Donc on est passé là-haut, on est passé par ici. Moi je. Et on repassera par là. Moi je propose qu'on aille au dernier truc qu'on est là-haut. Pas. Dernière catégorie non, qu'on n'a pas faite. C'est le bleu là-bas au fond. Je te suis. Tu le vois où le bleu? Bah dans le ciel. Après, le ciel est noir, tu vois. Ah bah, je sais, bah augmente la luminosité, je sais pas. Là-bas on le voit bien. Ouais mais ça dépend, tu utilises le brouillard. Ouais. Bah tu le verras pas de loin. Oh, un coffre. Attends. Non. Aïe, ça fait mal. Ah y'a rien dedans. T'as dû passer par là, désolé pour la canne de tout. Donc. Je t'en prie, tu peux me suivre. Non, non, tu me suis. Ah ! On ne me suit pas en fait. Tu vas où là ? Je sais pas. Je suis au-dessus, je suis au-dessus, je suis au-dessus. C'est là-bas ? Ouais. J'y vais en courant, allez, Dio. Oh oh. Chouette. Bon, Dio, il est dans la merde, il reste sur les trottoirs. Hein ? Non, merde, dernier, j'ai oublié que ça monte au mur. On est dans la merde, on est attaqué par tous les fronts. Bonne nouvelle, moi je prends mes jambes à mon cou et je cours. Viens, on va par là, oui, c'est bien, c'est une bonne idée d'aller par là. Ça va être bleu aussi. Je fais comment pour mettre les jambes à ton cou? Tu te souviens en primaire quand on faisait ça? Sport? Les jambes derrière le cou? Ah, oui, ah, peut-être. Ah, score, je vais pas attaquer. Au score! J'ai pas le temps d'utiliser mon. De me donner la commande pour le. L'épée! Ah! Ah! Fumier! Tu vois, je t'avais dit que l'épée aurait pu être utile. J'avais oublié la nuit. Bon, j'ai quand même donné une épée. C'est quelle touche? Ah, c'est ça. Hop. Voilà. Bon exemple de cheat. Imprévu. Hein. Moi, je voulais pas prendre d'épée. Je voulais la jouer. Je t'attends. Oh, merde, j'ai bailli. On fera peut-être une vidéo sur le. Faut passer par l'intérieur. Ah, faut passer par l'intérieur. Ah, d'accord. Une plume. On fera peut-être une vidéo avec Zevinak et Zod. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur un combat comme le multi. Non, tu ne l'as pas dit. Ah bon, nickel. Alors apparemment, vu que le bois est bien foncé ici, je pense qu'il y a des pistons en dessous. Le bois, non, il est pas bien foncé. Ah, quoique. Il paraît différent. Ah. Non, non, c'est le même bois. Hop. 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 En mode PGM. Ah, punaise, j'oublie de sprinter. Enfin, il veut pas sprinter. Oulala, je ne vais pas l'avoir. Faut que je mange. Oui, je ne l'ai pas eu. Aïe. Bon. J'espère pour que cette vidéo, on va pouvoir finir au moins ça, que vous ayez eu l'aperçu de. Moi, je trouve que c'est bien fait. Oui, donc nous allons faire une petite coupure, on vous reprendra après. Et voilà. Bon, à tout de suite. Voilà, désolé, nous avons repris après cette petite coupure. Donc voilà, on est revenu, on est encore dans le petit château. Et oui, j'ai réussi, Antoine, à monter. Ah, j'ai vu ça. De chance, donc tu peux monter de l'autre côté en fait, je crois. Hein, quel autre côté? Ah, je sais pas. Bah, je vais activer le checkpoint. Hop, j'ai actionné le levier. Comme dans les trucs d'Assassin's Creed, le checkpoint. Ah, il l'a. J'adore ça. En mettant espoir d'y monter sans mourir. Hein. Ce serait ballot. Parce que je peux même plus établir un point de respawn parce que, à cause de la 1.8. Ad bucket plutôt. Voilà. Ah non. Bordel. Donc comme toujours, fail vas-y. À chaque épisode, hein, ça va finir par être ma devise. Un épisode, un fail. Comme une œuvre de charité. Non. Je pense que c'est Zevina qui va activer tous mes checkpoints. Ouais, parce que moi je suis déjà arrivé en haut. T'es sérieux? Ouais. Je ne t'ai pas vu. Y'a quoi en haut? Non mais pourquoi y'a pas sprinté celui-là?
veux dire pas mourir. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Bah mon micro y est tombé. Ouais. Mmh. Allez. Non. Ils veulent qu'on fasse quoi là? Quoi? Tu te manges sûr ou pas? J'ai horreur du système à 4 blocs, là, ça me... Y'a rien de simple là-dedans. Ah, je me suis mangé. Il fallait que tu fasses quoi? Bah, t'avais juste à courir sur le mur. Non, parce qu'il manque des échelles. Il manque pas deux échelles, je pense que ça fait exprès quand même. On est toujours aussi nul, hein. Rien n'a changé. Non, non, tu es toujours aussi nul. Oh, oh. C'est une blague. Je ne permettrai pas dans mon émission. Ah, voilà. Génial, c'est les pompiers qui passent. Oui, c'est les pompiers. Sauf que normalement, les pompiers ne viennent pas de là. Ils viennent de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ah. Oh, merde. Normalement tu devrais les entendre les pompiers, tu devrais entendre les pompiers passer, ils passent près de chez toi là. Bah ils partent en direction de chez toi. Merde. Merci. Je t'ai aidé à monter plus vite. Vas-y passe. Je t'en prie. Non non vas-y. Tu insistes? Oui j'insiste. Fais gaffe j'insiste tellement qu'on clique gauche, je vais partir tout seul. Oh l'enflure. C'est pas très fair play tout ça, mais... Ça marche. T'aurais pas pu me le dire 5 secondes plus tôt? En fait, j'attendais le moment où t'allais réagir. Mais moi, je suis pas un cheater net, tu vois. Et comment je t'ai doublé? Je sais, tu es trop gentil, tu te retiens de me traiter de tous les noms. Non, je vais juste rescotcher mon micro. Bah, c'est ce que tu veux, t'as un micro de merde. Non mais... Voilà, c'est ok. Attention, la séquence qui va suivre pourra heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc voilà, nous avons eu un petit problème, donc ce sera la fin de l'épisode 2. Et oui, si oui. Vous voulez voir ce qu'on va faire dans l'épisode 3, vous n'aurez qu'à regarder quand je le posterai. Allez, à plus tard. Salut.